j'ai retrouvé. C'est ce truc-là? Mais ça a l'air moche. En Espagne, il reste essentiellement dans les plaines. Quoi? Pardon. Un rat mineur. Il n'y a pas le droit de boire d'alcool. C'était nul à chier, c'est vrai. Oui, t'as raison, mais l'ambiance est essayée. Je vais mettre à cause du coup. Oh, elle parle, elle aussi. Trop bien. Ah oui, d'accord. Oui, ok, d'accord. Ok, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Je comprends même pourquoi on dit qu'elle est maudite. Le bruit est insupportable. Je vais quand même essayer, tu sais, juste pour réveiller ses traumatismes. Énorme. Et voilà! Par contre, toi, c'est la dernière fois que je l'utilise. Attends, attends. Tu viendrais pas de tuer ma copine, là? Si, si. Je crois que ça me fout les glandes. Dans le milieu, on m'appelle El Phénoméno. J'ai vraiment enregistré mon coup. Bonjour, bonjour. Ceci est un message du beau Jack pour les ouvriers de construction d'Opportunity. Messieurs, vous êtes les artisans de l'avenir. Quand la ville sera terminée et que les citoyens, triés sur le volet, y auront emménagé, vous pourrez contempler son sublime visage. Mais bon, pas de trop près. Il n'est pas question que vous restiez dans le coin une fois que cette ville sera construite. C'est trop méchant. Vous pourrez la regarder avec des jumelles, par exemple. Quel enculé. Alors j'ai pas tout entendu, parce que j'étais occupé à lire tes conneries. C'est tout, hein. Mais pourquoi faire construire une métropole en plein milieu d'un désert infesté de bandits? Je ne comprends pas, monsieur. Évidemment, c'est parce que vous manquez autant de clairvoyance que de matière grise. On ne fait pas les choses parce qu'elles sont faciles. On les fait parce qu'elles sont justes. Oui, mais ça n'explique pas vraiment pour... Opportunity est un fer de lance. L'avenir vient poser ses valises sur Pandore, et Opportunity est le phare lumineux qui éclaire la route. Entre deux ragoûts de nouveau-nés, les bandits lèveront les yeux et apercevront la lueur à l'horizon. Symbole de paix, d'ordre et de sécurité. D'abord Opportunity, ensuite le reste de Pandore. Mais monsieur, vous imaginez des familles emménagées dans cette ville avec leurs enfants? Bah oui. Vous savez que je peux me tromper, Kiss, mais je n'ai pas à recevoir des conseils sur les enfants de la part de quelqu'un qui n'en a pas. J'ai des enfants, monsieur. Deux garçons. Non, en fait, vous aviez deux garçons. Ce n'est plus le cas. Voilà, l'enculé! Bonjour les enfants! Saviez-vous combien ça a coûté à vos mamans et papas de venir vivre en Opportunity? J'avais presque fini ma journée! Rien. Votre famille est payée pour être ici. C'est moi qui vous nourris et vous protège tous. Alors n'oubliez pas, aimez vos parents, mais bon, aimez-moi plus. Moi? Mais quel fils de pute! Cette propagande quoi! Les jeunesses hitlériennes, mon gars! Et après, le mec ose dire qu'il est pas un dictateur. C'est le monde à l'envers. Salut les enfants! D'accord. Saviez-vous que le risque de vous faire éviscérer augmente de 8000% si vous quittez Opportunity? Toutes les études le prouvent. Je sais pas s'il y a vraiment besoin d'une étude. La crête à Claptrap! Je refuse d'en discuter. Tu n'iras pas là-bas sans moi. Point final. Tu dois rester pour protéger Sanctuary. Si c'est encore un piège, tu devras protéger tous ces gens. C'est parce que l'ange ne veut pas que je vienne? C'est ça, pas vrai? Lilith, merde! Tu peux me faire confiance, oui? Si tu te fais tuer, je vais être vraiment furieuse. C'est noté. Si tu survis, je t'arrache tous tes vêtements avec les dents. Oh, c'est... Lilith, on est là, c'est je te signale aussi. Personne n'a envie d'entendre ça! Allez! Moi, je veux! Je veux, je veux! Tu peux m'arracher les vêtements avec les dents. Cours de sexe. Yamete kudasai. Qu'est-ce que... Ah bonjour.
Mettons mon point de compétence aussi. Ah, je peux pas. Je peux pas. Faut que je sorte du véhicule. C'est un robot. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme compétence? Oui, on peut ça. Ah oui, on voulait prendre ça. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, non. On avait dit que c'était que de la merde ici. Et si on s'en fiche un petit peu? Ouais, peut se reporter. Il y a eu le temps de latence. Et. Je peux peut-être leurs alliés. Moi, bof. Nous, c'est ça qu'on veut. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Nuage acide, c'est bon ça. Réaction en chaîne. Vos tirs touchent sur les côtes. Je veux. Bon, alors déjà ça. Voilà! C'est bon ça! Toucher un ennemi crée un nuage acide qui cause des dégâts corrosifs persistants à tout ennemi qu'il touche. Un seul nuage acide peut être créé à la fois. Dommage. Je me demande comment ça marche. On verra bien. Cool de l'XP. Ah ouais! Oh là là! Oh là là! Oh la vie! Mais c'est trop craqué! Je mets une balle à un ennemi, il est mort! Regarde la vie, quoi! Alors, par contre, il n'y a qu'un seul nuage à la fois. Mais vu la vitesse à laquelle ça les tue, c'est complètement cheaté! Ah oui, bonjour. Regarde ça! Oh non, il a pété ma bagnole! Bon bah je crois que j'aurai plus jamais de problème. Wouah. Alors j'ai le droit à quoi? De la merde ou de la merde mais qui coûte moins cher. Attends, dégâts grenade x6, 2464. Ça m'a l'air pas mal. Feu 214. C'est la version améliorée! Mais elle est. Mais elle est beaucoup plus puissante! 214? 504? Quoi? 966? 2400? Mais j'achète? C'est ultra violent! Or, moins de rayons, ce qui est bien, je vais la prendre dans la gueule, 412. 342, ouais. Wouah! Je peux en lancer une? Qu'est-ce que. Hein? Quoi? Fion qui explose à l'impact. Fouring. Qu'est-ce que... Oui, c'est clair, qu'est-ce qu'il fout, la foutard? Attends. Est-ce que c'est un bug? Et si j'essaie de la lancer genre au loin? Oh, je crois que je suis en train de comprendre.
C'est une grenade qui va tout droit. Alors, ça peut être extrêmement drôle à utiliser, mais aussi extrêmement chiant. On va essayer. Si on n'arrive pas à s'en servir, on mettra l'autre. Hein. Mais le potentiel fun de cette grenade en anti-gravité est extrêmement élevé, je pense. Faut juste pas la lancer ni au sol ni en l'air. Ce qui n'est absolument pas pratique, on se demande qui a inventé cette connerie. Mais... C'est par là. C'est une grenade foutard. Bonjour. Ah, et quand elle les touche, elle tombe. Oh, cette violence. Est-ce que ça marche quand elle touche un mur? C'est la tête chercheuse. Elle vise les ennemis. C'est complètement cheaté. Gloire au tout-puissant Lennon. Vous avez vu ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Gargobuste? Il a l'air de valoir trop d'XP. Ce raisonnement de joueur. Je veux le tuer. Ah oui. Juste là. Ah! Il m'a surpris. Grenade. Ouh, 2000 XP. J'avais raison, il en valait masse. Ah! Elle crache des lasers! Ça va péter! Allez, fond, espèce d'abomination! Wow! Je pense que techniquement, ça fait de toi sa nouvelle mode.